Haiti, die schwarze Perle der Antillen, umfasst das westliche Drittel der Karibikinsel Hispaniola. Seine Hauptstadt mit 2 Millionen Einwohnern ist Port-au-Prince. Heute ist es infolge jahrzehntelanger politischer Instabilität, blutiger Diktaturen und korrupter Verhältnisse ein zerrüttetes Land. Haiti ist heute eines der ärmsten Länder der Welt. Ein großer Teil seiner Bevölkerung kann nur unter sehr schwierigen Bedingungen überleben. Bei einer offiziellen Arbeitslosigkeit von 60% und einer Lebenserwartung von unter 50 Jahren. Das war nicht immer so. Im 17. Jahrhundert war Haiti die reichste französische Kolonie von ganz Amerika. Hunderttausende Afrikaner wurden hierher gebracht, um als Sklaven in den Zuckerrohrplantagen zu arbeiten. Ein Jahrhundert später war Haiti das erste Land der Welt, das nach einem doppelten Kampf für seine Freiheit und für seine Unabhängigkeit die Aufhebung der Sklaverei durchgesetzt hat. Die erste schwarze Republik hat ihren Mut teuer bezahlt. Haiti ist heute in einer ernsten humanitären Krisensituation, deren erste Opfer die Kinder sind. On peut redresser cette situation ici en Haïti. Il faut des investissements ici qui créent des nouveaux dans n'importe quel domaine. Comme vous savez, il y a dans les années 60, c'était encore la perle des Caraïbes ici. Et entre-temps, vu tous ces changements politiques et presque guerre civile qu'on a eu en 2004, maintenant, on a de nouveau un gouvernement élu démocratiquement. C'est un interlocuteur fiable, j'espère, dans l'avenir. Et avec ce gouvernement, je suis sûr, on peut maintenant commencer à investir et surtout voir l'avenir ici en Haïti. Alors pour nous, en Haïti, on a pensé qu'il fallait avoir Terre des Hommes comme partenaire stratégique, pas seulement pour les urgences, mais aussi et surtout pour la protection dans le sud. Die Ursachen der humanitären Krise sind vielfältig. Die Abholzung der Wälder für den Export edler Hölzer und für die Kohlegewinnung ist eine echte ökologische Katastrophe. Heute sind nur noch etwas weniger als 2% des ursprünglichen Waldes übrig. On détruit 10 à 20 millions d'arbres par an. On arrive à en planter 1 million. Mit seinem tropischen Klima ist Haiti regelmäßig heftigen Niederschlägen und orkanartigen Stürmen ausgesetzt. Quand vous avez des arbres en altitude comme ça, ils attirent les nuages et font tomber la pluie. Mais la pluie tombe, ne tombe pas directement sur la terre. Ça tombe, il y a déjà une sorte de mousse, enfin de couverture, et ça s'infiltre cette eau. Et ça va et ça réapparaît dans les comme rivières ou sources, mais en prenant son temps. Tandis que maintenant, quand on a tout coupé, la première chose qui se passe, l'eau tombe donc directement sur cette terre, part avec. Et on voit les rivières commencer à devenir une couleur marron. Presque toutes les villes d'Haïti, qui sont des villes côtières et qui sont adossées à des morts, se retrouvent inondées avec des morts. Les moindres petites pluies, il y a eu des petites pluies l'autre jour à Port-au-Prince, il y avait des morts. Il y a eu des petites pluies au Cap, il y a eu des morts. Diese ökologische Katastrophe hat direkte Auswirkungen auf die lokale Produktion von Nahrungsmitteln. Si ça continue comme ça, dans quelques années, on parle maintenant Haïti produit peut-être 40 à 42% de notre besoin alimentaire dans le pays. Ça va disparaître. En 1992, on produisait encore 50%. Maintenant, ça descend jusqu'à 40%. Donc, ce qui signifie qu'il faut vraiment
au point de vue de l'environnement, faire quelque chose de très sérieux, très planifié, pour avoir des résultats positifs, pour remettre en place okay, la couverture végétale. Il y a un déficit alimentaire qui est généralisé. Normalement, selon la production nationale, on devrait avoir suffisamment de nourriture avec les importations et avec l'aide alimentaire. Sauf que la production nationale n'est pas forcément distribuée dans tout le pays à cause des problèmes logistiques. Les importations, eh bien, elles viennent nourrir les plus riches parce que c'est ceux qui ont les moyens de les acheter. Das Land sieht sich also einer unsicheren Ernährungssituation gegenüber, die sich heute wegen der allgemeinen nicht nachlassenden Inflation und wegen des starken internationalen Preisanstiegs der Rohstoffe noch verschärft. Es ist eine dramatische Situation, wenn man bedenkt, dass 80% der haitianischen Bevölkerung mit weniger als 2 Dollar pro Tag auskommen müssen, um zu überleben. Das Team von Terre des Hommes kämpft tagtäglich im Departement des Südwestens, der Region um Les Cailles, gegen die Mangelernährung bei Kindern. Der Mitarbeiter von Terre des Hommes ruft die Bevölkerung herbei, sich die Ratschläge für die Vorbeugung anzuhören. Die Eltern werden eingeladen, ihre Kinder wiegen und messen zu lassen, damit eine mögliche Mangelernährung erkannt wird. Solche Aktionen zur Früherkennung werden regelmäßig durchgeführt und die Weiterbehandlung ist sichergestellt. Kinder zwischen 0 und 6 Jahren, bei denen eine schwere Unterernährung festgestellt wurde, werden in die Kinderabteilung des öffentlichen Krankenhauses in Les Cailles gebracht, ins Zentrum für die ernährungsmäßige Wiederherstellung von Terre des Hommes. Das Ziel der speziellen Ernährungsabteilung von Terre des Hommes ist es, den Gesundheitszustand von Kindern und ihren Müttern zu verbessern. Die Resultate sprechen für sich. Die Erholungsrate von Kindern liegt bei 88%. Die Sterberate wird von Tag zu Tag geringer und die Rückfallrate liegt bei knapp 2,9%. Le centre que vous avez à l'hôpital, c'est un centre exemplaire au niveau national. Si il devait y avoir, s'il pouvait y avoir ça dans chaque département, dans chaque hôpital, c'est probablement mieux pour un certain nombre de gamins. Es werden auch Hausbesuche organisiert, um die familiäre Situation des Kindes kennenzulernen und seine Entwicklung nach der Entlassung aus dem Krankenhaus weiterzuverfolgen. In Zusammenarbeit mit dem Ministerium für öffentliche Gesundheit profitieren etwa 500 Kinder jährlich von dieser Behandlung und können so gerettet werden. Auf Haiti gebären die meisten Frauen noch zu Hause, unterstützt von den traditionellen Hebammen, den sogenannten Matronen. Terre des Hommes bietet diesen Matronen eine auf sie abgestimmte Weiterbildung, bei der ihnen die wichtigsten hygienischen Maßnahmen erklärt werden und sie eine Grundausstattung erhalten, die ihnen das Ausüben ihres Berufes erleichtert. Il nous faut des interlocuteurs déjà au niveau de la communauté. Donc parmi les interlocuteurs qu'on a, c'est les collaborateurs volontaires de santé qui ont été sélectionnés et formés dans le cadre du projet. Et on considère les maires comme à la fois des cibles privilégiées et des vecteurs privilégiés également pour une bonne gestion des questions de maladies infantiles. Mütterclubs wurden in den Dörfern ins Leben gerufen.
Die Einwohner treffen sich regelmäßig, um sich über zahlreiche Themen wie unter anderem Stillen, Malaria, Ernährung, AIDS, Familienplanung, Hygiene auszutauschen. Das Ziel von Terre des Hommes ist die Sensibilisierung und die Vorbeugung. On essaie de faire réaliser des initiatives communautaires à certaines conditions. C'est-à-dire on demande au groupe de nous proposer des choses qui auraient une relation avec des questions de santé, mais relation directe ou indirecte, ou des choses qui amélioreraient le milieu dans lequel ils vivent. Terre des Hommes bietet den Verantwortlichen dieser Mütterclubs eine Ausbildung an und hat auch bereits an die 60 Gesundheitsagenten ausgebildet. Auch Treffpunkte wurden eingerichtet, an denen die kommunalen Gesundheitsagenten von Terre des Hommes die nötigen Hinweise zur Vorbeugung geben. Sie bieten Vitamine, Medikamente gegen Parasiten, Präservative an und führen auch Impfungen durch. Les chiffres sont enfin en 2005 entre 20 et 40% de vaccination. Ouais, de couverture vaccinale, ce qui est mortel quoi. Enfin, c'est pas étonnant après qu'on ait une mortalité infantile extrêmement élevée. Quoi. Wie gezeigt, ist das Land extremen Witterungsbedingungen und Wirbelstürmen ausgesetzt. Für Notsituationen hält Terre des Hommes eine Reserve an Nahrungsmitteln, Medikamenten und anderen wichtigen Hilfsgütern bereit. Das ist ein Chlorometer, c'est pour vérifier le taux de chloration de l'eau. Ensuite, il y a des choses, il y a des kits d'hygiène pour adultes. Des kits d'hygiène pour bébés. Oui, ils sont là. All diese Produkte sind auf Lager, werden direkt vor Ort in Lekai vorrätig gehalten. Terre des Hommes a essayé avec un certain nombre de partenaires d'aller vers la déconcentration, décentralisation, en renforçant, enfin ça vous l'avez vu sur place, ce qui peut se faire au niveau du comité départemental avec d'autres organisations, mais également au niveau matériel en essayant de prépositionner des choses pour que ce soit immédiatement utilisable et notamment sur la première urgence. Quoi. Le gros problème c'est que quand il y a un gros problème, un gros pépin, est-ce qu'on a des partenaires dans la zone, qui travaillent dans la zone, à quoi ressemble la zone, est-ce qu'il y a un comité, etc. etc. Bah, tout ça, eh ben, on le sait déjà via le stock prépositionné, qui a déjà une utilité, je dirais, concrète, et qui a eu une autre utilité, c'est justement de dynamiser un peu un certain nombre de personnes autour de ça. Auch Übungen für Notsituationen werden in Zusammenarbeit mit mehreren internationalen Organisationen durchgeführt. Par exemple, maintenant, on est en saison cyclonique, on fait des réunions, on planifie pour voir est-ce que les habits provisoires sont à jour, est-ce que les comités de protection civile sont prêts, qu'est-ce qu'il y a à faire, qu'est-ce qu'on doit faire et comment on se mobilise, juste on prépare. Heute betrifft die Übung das Pumpen und die Analyse des Trinkwassers. On va mettre les robinets à chaque extrémité. Il y a 6 robinets possibles. On va mettre 6 robinets pour que les gens viennent se servir en eau. Le technicien de la MINUSTA nous dit qu'au niveau du pH, c'est un bon niveau. Un bon niveau, il ne peut pas préciser si l'eau est potable ou pas pour le moment, parce qu'il faudrait faire une analyse bactériologique. Par contre, il dit que c'est une bonne eau pour travailler avec du chlore en termes de désinfection. Donc quand on parle de première urgence, on parle des jours immédiats qui suivent la catastrophe, de 1 à 15 jours, on va dire. Et c'est dans cette période-là que les routes sont coupées, les moyens sont concentrés au niveau de la capitale. Donc il faudrait être capable de gérer cette réponse immédiate, c'est ce qu'on appelle la première urgence. Nous, on intervient principalement pour le moment en appui au comité départemental, c'est-à-dire à l'échelon départemental. On est membre du comité départemental qui est la structure coordination du niveau départemental avec d'autres organisations
sont présentes ici, Caritas, CRS, Croix-Rouge haïtienne, Organisation mondiale de la santé, et du matériel du PAM, de l'UNICEF, etc. J'ai rencontré récemment aussi l'ambassadeur de France. Il a eu une grande délégation économique ici, une trentaine d'industriels, et je crois tout le monde, aussi les Canadiens, les Américains, ils essayent tout petit à petit à s'implanter de nouveau ici en Haïti. Et c'est ça qui va créer beaucoup plus d'emplois et finalement aussi assurer un meilleur avenir pour les familles haïtiennes. J'y crois encore, oui j'y crois encore. Je crois.